J'aimerais te poser cette question. Ouais, les mecs. Vraiment. J'aime bien ces questions. Et j'attends toute ton honnêteté, ta plus grande franchise. Il paraît que tu pourrais faire ton retour dans les Marseillais, dans le cross, les Marseillais vs le reste du monde. Absolument pas. Si demain les Marseillais m'appellent pour revenir, je leur dirais non. Pourquoi? Parce que ça ne me convient pas, je suis très bien où je suis. C'est quoi? C'est un grief? C'est une vendetta par rapport au fait que... Oui, une petite vengeance? Non, quand un joueur de foot n'est pas bien dans un club et qu'il va jouer dans un autre club et qu'il s'épanouit dans ce club-là, il ne va pas revenir là où il n'est pas bien. Ben, moi, c'est pareil. Mais Aurélie Dautremont avait bien dit qu'elle ne reviendrait jamais dans les Anges, même si on lui donnait 1 million d'euros. Bien sûr. Peut-être qu'ils lui ont donné 1 million d'euros. elle avait dit, même si on me donne 1 million d'euros, j'y vais pas. Non, je rigole. Non, je pense, ouais, mais je pense qu'après, tu sais, nous, on est des gens très sanguins, très impulsifs. On dit les choses sur le moment et après, on peut se raviser. Néanmoins, là, à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose qui me donne envie. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, je fais les choses par envie. Mais, regarde, je ne devais pas faire les Anges 11. Je pense que ça a dû venir à tes oreilles. J'ai signé pour tout dire 2 semaines avant le départ. D'accord? Pourtant, moi, c'était sûr que voilà, je leur avais dit oui, peut-être. J'y suis allé. La prod m'a forcé à y aller. Enfin, forcé. M'a dit, vas-y, non, mais t'inquiète. J'y suis allé, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, tu vois. Et au final, j'avais une petite flamme en moi. C'est redevenu un brasier. Donc, du coup. Bon, bah, tant mieux. Et ce brasier, est-ce qu'il a pris feu avec Aurélie Dautremont en partageant la même couche? C'est ma sœur, Aurélie. Tu étais là quand je l'ai connue. I know, je le sais. Voilà, mais je sais aussi que beaucoup de médias se sont empressés de titrer Aurélie Dautremont. C'est dégueulasse. Et Thomas sont en couple. Et, j'ai même vu couche ensemble. Ah oui, on couche ensemble, on dort ensemble. On couche dans le lit, on se couche. Oui, non, mais tu sais, c'est très français de dire ça. Ça ne veut pas dire d'ailleurs avoir une relation sexuelle. Ah ouais, non. Partager la même couche, d'où l'expression. Et comment? Mais je partage tout, moi, avec elle. Je partage mon dentifrice, je partage mon repas. Enfin, non, elle partage le mien et moi, je la force, tu vois. Mais je partage tout avec elle. Moi, c'est ma sœur. Je l'adore, je l'aime. Déjà que je l'aime énormément avant le tournage. Et après le tournage, tu le sais, c'est où ça passe, ça casse. Là, c'est plus que passé. C'est quelqu'un que j'adore. Et je le dis et je le répète. Moi, son bonheur est autant important que mon bonheur à moi. Je jure à Aurélie une amitié à vie.